Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango Fait du Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Euh, donc pour vos vierges, ascendant vierge et lune en vierge, ou tout simplement si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un mois de décembre, ô combien intéressant puisque on a déjà le retour direct de Neptune dès le 1er décembre, donc dans deux jours. Et ce retour direct va influencer bien sûr euh, tous les signes astraux, mais le, le signe des poissons. Le signe des poissons, c'est votre opposé, donc vierge-poisson. Il y a une influence directe puisque j'ai parlé des poissons. Euh, qui avait le carré des signes mutables, c'est-à-dire les copains en renfort, les copains mutables en renfort. Là, c'est un petit peu pareil. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez la maison 12 des poissons. Alors, ça s'appelle la fuite, mais on va voir cette carte en détail. Hein. Euh, vous avez l'énergie gémeaux, vous avez la justice. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose euh, au niveau des signes d'air qui viennent vous. Euh, vous permet de conscientiser, d'intellectualiser peut-être certaines choses, mais en tout cas, voilà, il y a une prise de décision, une posture très très forte entre le roi d'épée et la justice. Ça va trancher. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas laisser passer le moindre détail. On a l'énergie du Sagittaire avec l'as de bâton, donc on a déjà la maison douce des poissons, l'énergie gémeaux, l'énergie Sagittaire, donc on a aussi les signes mutables et vous faites partie du groupe. Donc voilà, on a une espèce de complément et euh, les signes masculins puisque Sagittaire et Gémeaux sont des signes masculins ici vous avez l'épée le bâton on est dans une énergie de décision et de passage à l'action donc vous êtes en train de radicalement changer certaines choses bon le dos de deck l'explique hein, vous avez le changement et l'arcane sans nom donc vous êtes en train de dégommer certaines choses c'est pour ça qu'on n'a pas de coupe la coupe arrive derrière la coupe ici, le 4 de coupe, va nous expliquer qu'il y a comme un, un vide, euh, une nécessité de passer à l'action. C'est pas le moment de ressentir, vous avez déjà ressenti beaucoup de choses au mois de novembre. Et là il est temps de changer les choses, de passer donc euh, à l'action après avoir pris certaines décisions. Donc la posture, la prise de posture même, ce mois-ci est extrêmement forte, est extrêmement importante. Vous avez aussi la nouvelle lune, donc dans le signe du Sagittaire, on vous dit que la, la chance est de votre côté. Alors cette chance, elle s'explique tout simplement parce que on a le Soleil en Sagittaire, on est dans la pleine période de Sagittaire, on a aussi le nœud sud. Et le nœud sud, c'est les dettes de la vie, le karma, euh, les choses non réglées. Donc vous êtes en train de transcender votre vision. Des choses pour régler euh, justement ce qui a besoin d'être réglé. On le voit avec la justice et le roi d'épée. On peut parler de magistrat, euh, de magistrature, de décision de justice. Mais à mon avis, alors pour certains d'entre vous, ça va concerner cette partie-là. Mais pour moi, ça va être surtout une prise de posture, c'est-à-dire, allez, c'est bon, stop. Voilà. Il y a cette notion de volonté très forte avec les épées qui sont sorties. Hein, les, les épées, je le rappelle, c'est le mental, la volonté, euh, planifier aussi et lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, j'ai décidé parce que j'ai ressenti, je sais que c'est comme ça que ça doit se passer, et maintenant que j'ai décidé, je passe à l'action. On a une fin de cycle aussi pour vous. Le 10 épées, l'as de bâton, c'est du 10h01, peut-être que vous voyez ces heures miroirs, mais en tout cas, c'est vraiment la fin et le recommencement. C'est ce qui explique aussi l'énergie de l'arcane sans nom. Je termine un truc et je recommence quelque chose de tout nouveau. On voit un retour de l'énergie très forte ce mois-ci avec l'AS de bâton. Il y a euh, quelque chose que vous canalisez en vous, c'est la force des tripes en fait. Je me lève et je le fais. Voilà, ça c'est l'AS de bâton. Donc c'est aussi l'énergie du Sagittaire. Je vais transcender certaines choses, je vais changer mon point de vue, je vais élargir ma vision. Ça c'est ce que vous apporte l'arc du Sagittaire qui vient dégommer, je vous le rappelle, l'étoile Antares du Scorpion. Le scorpion, son rôle, bah, c'est l'arcane sans nom, hein, le scorpion, c'est euh, de faire mourir et de renaître, de transformer les choses. Vous avez le changement qui vous attend. Le changement, c'est d'ailleurs maintenant, comme disait l'autre. La purification, l'illumination, c'est ce, euh, ce qui vous a permis en fait d'initier ce, cette modification de votre état. Euh, un état d'être, hein, c'est vraiment voilà, je suis comme ça, mais je vais rajouter des compléments. Euh, je vais me servir aussi de mon côté mercurien, puisque vous êtes aussi régi par la planète Mercure, comme les Gémeaux d'ailleurs. Les Gémeaux, il y a la pleine lune dans leur signe euh, le 19 décembre, donc on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Pour moi, vous en avez eu déjà certaines, mais avec la maison 12. Il euh, y a voilà, ce besoin de décider, de prendre une posture, de, de vraiment se positionner. Ça, j'insiste là-dessus. Et si j'insiste là-dessus, c'est que pour certains d'entre vous, ça va être très marquant. D'ailleurs, au mois de novembre, j'ai eu quelques retours et ça a été très marquant aussi. Donc, je pense que vous êtes juste dans la continuité. On a l'amour de soi. Et à mon avis, cette prise de position, ce qui avant aurait pu vous faire douter, vous auriez pu être, euh, comment dire... Euh, empathique, essayer de vous mettre à la place de l'autre donc être dans une sorte de voilà je veux faire du bien à tout le monde, je veux que tout le monde soit satisfait, je veux que euh, personne n'en souffre. là c'est pas que vous allez faire souffrir des gens, c'est pas loin de moi l'idée. mais à mon avis avec cette posture du roi d'épée, de la justice, ça va être euh, un petit peu ben bah, voilà j'ai tout pris pour, mon, pour moi, j'allais dire un autre mot hein, mais pour ma, pour, de, pour ma poire, je me suis tout pris en pleine poire donc maintenant, euh, je vais un petit peu trancher. Voilà, l'amour de soi, c'est aussi poser des limites et vous êtes en train de poser vos limites. Il n'est plus question de vous laisser humilier. À mon avis, il y a eu une trahison très forte ici. Hein. Euh, le 10 épées marque ce tournant majeur dans votre vie, c'est-à-dire que cette, euh, ce qui a pu vous arriver... Euh, peu importe hein, la, la raison, enfin euh, peu importe comment ça s'est passé, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a, tourné ça a marqué un tournant majeur pardon, parce que vous êtes maintenant fermement décidé à poser des limites pour ne plus vous laisser bouffer, pour ne plus euh, vous faire avoir. Voilà, il y a eu quelque chose en tout cas. Donc l'amour de soi. C'est vraiment l'amour qu'on se porte, et l'amour qu'on se porte, c'est aussi poser des limites. Voilà, je ne ferai plus du tout pareil, dans le sens où, quand on attend un résultat différent, il faut forcément modifier quelque chose. À mon avis, ce qui s'est passé, euh, et la coupure radicale, c'était tellement marquant que euh, ça vient naturellement, il n'y a pas d'effort. Hein. Moi, je ne vois pas d'effort à faire, c'est juste une prise de posture, une vision aussi à avoir, mais on va l'avoir, cette vision. Et donc la maison 12, on a les quatre signes mutables, c'est que vous êtes en train de changer, puisque le 5, euh, on a le changement, on est en année 5, pardon, 2021. Donc le 5, c'est l'évolution, le changement, et avec les signes mutables, vous êtes apte à ce changement. Donc là, faites-vous confiance parce que vous êtes en train de le faire. Il y a une petite, alors je ne dirais pas indécision. Mais il y a une zone floue, ça c'est le poisson. Merci euh, merci au poisson euh, et Neptune mais le voile est en train de se lever puisque Neptune finit sa rétrogradation Neptune c'est le, le maître des poissons et euh, gouverné par euh, Neptune il y a des choses qui sont floues alors allez voir votre maison 12 où elle se situe allez voir où se situe votre Neptune dans votre thème astral voilà moi je l'étudie au préalable dans les guidances coaching donc les guidances d'une heure et demie mais en tout cas on parle d'évolution d'âme on parle aussi d'une espèce de zone fourre-tout où il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, bien sûr, et vous devez vous positionner pour dégager le passé. Ça, c'est le sud karmique avec le, le Sagittaire, aussi la prise de décision avec le Gémeaux, Verso, Balance, puisqu'on a le signe de la Balance ici avec la justice. À mon avis, il y a des choses qui se sont décantées hein, depuis le mois d'octobre. Donc, on vous dit que dans cette sensation euh, de d'élitement, c'est-à-dire, voilà, euh, là, on a le 4 de coupe qui va nous expliquer que émotionnellement il y a comme un vide, comme s'il y avait une espèce de... Enfin, de oui, de vide, mais de sensation un peu floutée. Voilà, je ne sais pas trop ce que je ressens. Donc, c'est plutôt dans le masculin, principe masculin actif, prise de posture, décision et action que vous allez devoir vous placer. Ici... Alors, on vous dit que euh, vous êtes en train de faire le tri. Hein. La maison 12, elle est euh, considérée par certaines écoles comme euh, la maison fourre-tout, la maison un peu décharge, où il y a tout, il n'y a rien. Voilà, où il y a les prisonniers, euh, les artistes, un peu les âmes maudites. Voilà, ça c'est dans l'histoire, hein, mais euh, on a aussi les saints, les mystiques. Donc les, euh, la maison douce c'est la maison christique des poissons c'était euh, le symbole des chrétiens euh, lors notamment des massacres euh, des chrétiens donc ils dessine un poisson pour se retrouver dans des endroits euh, du style catacombes voilà donc vous le saurez si vous avez visité des catacombes des fois on retrouve ce symbole des poissons euh, donc on a toutes les facettes en fait et dans cette, euh, dans cette boule à facettes eh bien vous êtes en train de faire le tri alors je pense euh, je, je le dis avant même de rentrer dans les explications de cartes que euh, un petit soin de recouvrement d'âme peut être pas mal parce que les traumatismes vécus justement décollent les paillettes qu'on a un petit peu en nous. Voilà. Donc euh, ça c'est Isabelle Rabi qui vous l'expliquera mieux que moi. Donc je vous invite à aller voir son travail et notamment ce soin recouvrement d'âme puisque alors moi quand je l'ai fait ça a été énorme les sensations que j'ai eues après puisque j'étais à la fois euh, bien enracinée euh, dans la terre et en même temps j'avais l'impression de flotter. Voilà, donc je pouvais me permettre beaucoup plus de choses. Ce soin continue à influer, alors je l'ai fait il y a plus d'un mois, donc je vous le préconise, je vous le recommande fortement. Si vous avez vécu quelque chose du style traumatique, et on le voit hein, avec le mois de novembre, alors recoller si vous ne l'avez pas vu, mais voilà, pour recoller les morceaux en fait, parce que des fois on se disperse on a cette sensation de décalage. Là, on n'a pas d'ancrage dans votre tirage. On n'a pas de denier, on n'a pas de coupe, on n'a pas d'énergie féminine. Pour moi, vous êtes vraiment dans une... Euh... Oui, je pose mes limites. Voilà. Donc, l'amour de soi, poser ses limites, c'est le pendant de l'humiliation, du masochisme. Quand on, euh, on s'est trop euh, fait marcher dessus, je vous remontre un petit peu euh, l'outil. Alors, je vous le proposerai sur mon site web dans la section boutique parce que je suis en train de compiler tout ça. Donc, euh, ça arrivera dans la semaine, j'espère. Mais en tout cas. On a donc toutes les blessures d'âme ici, les comportements et schémas répétitifs ici, donc la dépendance, la fuite, la rigidité, le contrôle, le masochisme, donc masochisme lié à l'humiliation et les valeurs personnelles. On se laisse marcher dessus parce qu'on ne pose plus aucune limite. Et la solution, le mieux-être, la maîtrise de sa vie, c'est l'amour de soi, avec le besoin de s'accomplir par soi-même. Je ne dépends de personne, donc on en revient, et tout ça, ça fait un cycle, hein, tout ça est interrelié. Donc voilà. Euh, J'ai remis au propre parce que c'était plus clair comme ça sur le site web. J'ouvrirai la boutique, je communiquerai là-dessus. Donc l'amour de soi. On vous dit, chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous, chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses. Coupé à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Et pour l'affirmation, j'aime et j'accepte toutes les facettes de ma personne, les claires comme les sombres. Elles sont un don unique qu'il me reste à exprimer. Alors je ne sais plus quel signe, je crois que c'est Bélier qui a eu cette carte d'amour de soi. Donc, peut-être que vous êtes vierge ascendant bélier ou bélier ascendant vierge. Allez voir, en tout cas, ça peut être intéressant de faire le complément. Alors, pour cette fameuse maison 12, la fuite, il ne faut pas le voir comme ça. C'est tout simplement que euh, les poissons sont euh, un signe opposé. Voilà, donc ça peut créer une fuite. Nager entre deux eaux, et c'est précisément là où vous êtes en ce moment. Cette sensation d'être entre deux eaux, d'être un peu dans le flou. Voilà, le flou total, c'est le 2 d'épée. C'est-à-dire en termes de prise de posture, je dois décider entre ça et ça. Ça peut être deux idées. Ça peut être du poulet d'un côté et du poisson de l'autre. Pourquoi pas Mais on vous dit que dans cette zone où tout est flou, regardez bien ce personnage, il y a quand même l'eau derrière elle. On parle d'intuition. Là, elle est positionnée assise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger tant qu'elle n'a pas pris cette décision. Elle a les bras croisés, c'est une forme d'entrave, mais qu'elle a son intuition, puisqu'on a la Lune. D'ailleurs, la Lune est décroissante, c'est la dernière phase de la Lune, dernier euh, non, c'est le dernier croissant. Et on va remercier à ce moment-là l'univers, Dieu, pour son aide, pour sa guidance, pour son, euh, son intervention. Donc c'est le bon moment pour lâcher aussi certaines choses et se dire, voilà, il y a peut-être des choses que je dois voir, auxquelles je dois aussi, euh, euh, comment dire, euh, lâcher, c'est-à-dire faire confiance, et faire confiance peut-être sans remettre à une puissance supérieure, ça c'est du lâcher-prise aussi, c'est avoir la foi, puisqu'on on est dans la maison douce de la foi, enfin euh, de la fuite, mais euh, voilà, c'est aussi, voilà, je m'en remets à quelque chose de supérieur. Et la fuite... Il faut euh, remettre aussi les, les choses euh, dans leur contexte, une fuite en avant, ça peut être aussi une protection. Des fois, on comprend pas bien pourquoi on a ce besoin de se protéger, mais c'est aussi parce que sans ça, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas rester dans la solitude euh, parce qu'avec du brouhaha, on ne comprend pas ce qu'on doit entendre. Et là, avec le 2 d'épée, vous êtes dans cette notion de... Je ne sais pas ce qui va se produire, mais je dois avancer. Voilà, donc je dois décider. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais avec le fou, on a quand même cette notion de euh, ⁇ Allez, j'y vais, je me lance. Peu importe, euh, dans le destin, il y a cette notion de libre arbitre. Si je dois aller à droite, mais que je vais à gauche, de toute façon, on me récupérera. Et on me prendra par la manche en me disant ⁇ Top, top, top ⁇ Supposé aller là-bas. Donc faites-le en fait. C'est pour ça que vous récupérez votre énergie. Parce que cette espèce de posture euh, floue, en fait, elle ne doit pas vous entraver elle doit plutôt vous permettre de vous positionner. Tiens, je tente ça. J'ai envie de le faire je le fais. Voilà, le, le roi de d'épée avec l'as de bâton, c'est j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai la vision que je dois aller par là, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, on a cette notion aussi de réparation. Ça, je vais en reparler et je vais passer du temps sur cette carte justice parce qu'à mon avis. Euh, alors, je pas pris le temps de revisionner la vidéo de décembre. Je me souviens de certaines bribes, mais je me souviens aussi que je me, je me suis posé la question pourquoi j'avais autant insisté sur certaines choses. On avait le fait d'épée, je vous ai parlé de trahison, de, de cancan, de scandale, d'une de, de, injustice. Et là, on a la justice quand même. Je ne sais plus si elle était tombée dans votre tirage, il me semble que oui. Mais en tout cas, j'en ai parlé. Et là, elle vient. Euh, mettre les pendules à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette notion de remettre les pendules à l'heure. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre vidéo si j'arrive à m'en souvenir. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion de, de, de flou artistique où les choses sont en train de se positionner. C'est dans la décision qu'on vous demande de vous placer ce mois-ci. Donc la maison 12 on a le monde matériel, on a le monde immatériel. On a vraiment ce passage. On vous dit que à la fin du zodiaque cette maison 12 indique une forme de passage ou de renaissance. On est en plein dedans avec l'arcane sans nom. Donc on vous dit que les deux mondes sont en train de se confronter et que là vous êtes plutôt dans la prise de posture, c'est-à-dire dans le monde matériel. Comment je me positionne au monde, comment je me positionne face à mes collègues, face à ma, à ma vie, face à moi-même. Amour de soi, la réponse est là aussi, hein, donc dans l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, c'est parfois fuir certaines personnes parce qu'elles ne nous font pas du bien, parce qu'on doit se positionner, poser des limites. Euh, le cadre, les limites, c'est aussi, voilà, je ressens, je sens que cette personne au fond de mon cœur hein, et dans mon âme et euh, mon corps va corroborer ces sensations physiques et eh bien en écoutant ces sensations physiques et vous savez très bien le faire hein, pour, vous êtes, vous êtes incarné avec euh, de la Vierge dans votre thème astral donc vous avez déjà l'ancrage le corps toutes les décisions elles passent par le, les signes physiques du corps et le corps est le, étant le véhicule de l'âme et eh bien c'est votre cœur c'est l'univers c'est Dieu qui vous parle à travers, à travers tout ça donc vous canalisez et puis ensuite, vous vous positionnez. 1 le corps, euh, le cœur, pardon, 2, le corps, 3, le mental. Et quatre, le mouvement. C'est un ordre aussi euh, qui permet de revenir à la simplicité. Donc je l'ai euh, notifié dans l'outil. Et on vous dit que voilà, vous avez comme une. Il euh, y, y a quelque chose, comme une sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas totalement terminé. Et que vous avez euh, peut-être... Voilà, nettoyer la peur, la paranoïa. On avait le 9 d'épée, hein, ça c'est la peur et la paranoïa, c'est le stress, les angoisses, les insomnies, les nuits difficiles. On n'arrête pas de ressasser certaines choses qui ont pu se produire. Ça c'est l'énergie du 9 d'épée que vous quittez. Mais il y a quand même cette espèce de flou. Donc dans ce flou, ou cette sensation euh, qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement euh, réglé, on a quand même cette notion de soit je ne suis pas au courant, soit il manque des éléments. Peut-être que c'est le temps qui va m'apporter l'élément dont je manque. Donc laissez le temps au temps, avancez quand même, mais laissez le temps au temps. Euh, on a cette notion de ⁇ j'ai besoin de l'information pour aller de l'avant ⁇ Mais moi, je vous le dis avec les cartes, avec le roi d'épée et le fou, pour moi, même sans information, vous pouvez aller de l'avant. Voilà la posture que vous devez aussi prendre. Parce que cette maison douce de la fuite, elle nous dit que... Il y a des signaux que vous percevez, vous ne savez pas si ce sont les bons ou pas. Euh, ce qui vous semble évident hier ou évident demain ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et que dans ce diagnostic que vous devez faire, vous devez aussi vous positionner, c'est-à-dire, eh bien, j'ai les ressources pour aller de l'avant, pour décider. Et quand bien même il me manque une information, c'est avec mes valeurs que je vais me positionner. C'est avec l'amour de moi-même que je vais me positionner. Voilà ce qui est en train de se passer comme réalisation aussi spirituelle, puisque. La dimension spirituelle et la dimension matérielle ou humaine. Doivent pouvoir cohabiter. Hein, on ne peut pas être qu'un être spirituel, sinon on ne mangerait plus, euh, on ne bo boirait plus, pardon, je vais parler français. Euh, voilà, il y aurait certaines, certains aspects de notre vie dont on se passerait et on ne peut pas s'en passer. Voilà, donc les sphères matérielles et les sphères spirituelles sont en train de fusionner, donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans cet entre-deux. Vous avez cette sensation que. Il y a une confusion, mais cette confusion, elle est tout simplement parce que vous devez passer par la posture, par la décision, pour pouvoir avancer dans votre vie. Et vous verrez que des fois, même avec un manque de réponse, on doit pouvoir avancer. C'est ce que l'univers, c'est ce que Dieu, vos guides, euh, vos aides spirituelles, vos, vos forces, vos, voilà, vous demandent d'accepter de, de, aujourd'hui. Alors il y a peut-être aussi quelque chose qui bloque, parce que le 10 d'épée, ça parle de trahison et donc... La posture de la trahison, c'est le contrôle, le perfectionnisme, mais c'est peut-être, tant que euh, la personne ne m'a pas demandé pardon, ça ne peut pas être parfait. Et ça, on va vous demander de le lâcher ce mois-ci. Oui, je sais, des fois, c'est compliqué, <laughs> c'est énorme aussi, c'est énorme, hein, parce que même Jésus, hein, dites-vous, bah, que voilà, demandez, pardonnez-leur, parce que voilà, pour moi, c'est difficile. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais de ce que j'ai compris, euh, et de ce que j'ai lu aussi... Il a demandé à Dieu, Dieu son père, de, de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. Donc voilà, on a une dimension quand même de pardon, presque christique. Donc dites-vous aussi que vous devez pardonner des fois de ne pas pouvoir pardonner. Le, le pardon, ça se fait aussi avec le temps. C'est le temps qui guérit les choses. Et quand on a vécu quelque chose de traumatique, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, ça peut être extrêmement difficile, c'est quelque chose de... Alors, je dirais pas d'impossible, mais il faut laisser le temps au temps. Et c'est peut-être ça, tant que je n'ai pas pardonné, ce sera pas parfait, parce que dans le travail spirituel et dans, le, dans, le, voilà, dans tout ce qu'on me demande de faire, dans le développement personnel et tout, euh, il faut que je pardonne, moi, j'arrive pas à pardonner, c'est plus fort que moi. Eh, lâchez, lâchez-vous du lest, parce que peut-être que vous êtes dans l'exigence et que l'exigence peut tourner au... au comment dire... Euh, au dégoût de soi. Le, le 4 de coupe peut parler d'être dégoûté d'une... Alors, pas dégoûté que d'une situation, mais dégoûté de soi-même, parce que dans cette recherche de perfection, il faudrait pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Oui, mais avec le temps. Voilà, laissez le temps au temps. Si je pardonne, est-ce que machin Si je pardonne pas, et ma machin euh, Des fois, on se dit mais si je pardonne pas, je suis pas euh, si évolué que ça, j'ai pas de temps évolué que ça. Non, laissez-vous du lest. Ça, c'est vraiment... Euh, vous faire preuve de bonté d'amour de soi- même hein. voilà donc c'est pas une fuite pour certains d'entre vous et je le sais que vous pensez comme ça euh, vous pourriez le vivre comme étant euh, un, une non évolution une stagnation une fuite non c'est tout simplement que en ayant de la compassion pour vous même vous allez réaccepter et vous réancrer dans votre dimension humaine parce que le burn-out spirituel c'est toujours d'être parfait, toujours d'être gentil, d'être machin. Des fois, vous avez, vous avez le droit de dire merde euh, quand il s'agit de, de pousser une bonne gueulante hein, euh, parce que bon, ça suffit quand même. Donc, on vous dit que là, il peut y avoir des choses. Euh, si ce n'est pas le bon moment, écoutez-vous, posez des limites avec vos valeurs, c'est-à-dire ça, c'est fondamental pour moi. Et les autres choses qui ne sont pas fondamentales, je peux passer outre, hein, je peux passer dessus, mais il y a des choses pour lesquelles je ne démordrai pas. Et ce n'est pas un manque de lâcher-prise, c'est tout simplement une posture de, personnelle. Vous avez le droit d'avoir des valeurs et des convictions. C'est d'ailleurs, euh, ce sans ça, on n'aurait pas d'identité, on serait des, des carpettes, euh, des, des espèces d'anguilles. Euh, voilà, donc non, vous êtes en train justement d'englober de, de, tout ça, de comprendre tout ça. Et on vous dit que euh, vous avez... Une entièreté que vous êtes en train de retrouver. Moi, j'ai l'impression que cette dimension, euh, cette polarité féminine d'écoute de soi, de bienveillance, elle est là, d'accord euh, Avec vous aussi, hein, le signe de la Vierge et le signe des Poissons va apporter cette écoute, cette bienveillance, voire même une forme de médiumnité, une écoute du cœur qui est indissociable, euh, qui, qui ne peut pas être déboulonnable en fait. Elle n'est pas. Vous, on ne peut pas vous l'enlever. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis, la dimension masculine, ça va être épée et euh, bâton. Donc, décision et action. Et là, vous êtes en recherche de clarté, en recherche d'attention. Mais euh, pour moi, vous allez alors être un peu plus à l'écoute de vous-même et moins écouter les autres. Il y a vraiment cette notion de, euh, de prendre conseil auprès de bonnes personnes. D'ailleurs, derrière la justice... Il y avait le pape. Hein. J'ai regardé exprès au moment du brassage des cartes. Euh, ça ne se verra pas en accéléré à la fin de la vidéo parce que ça passe tellement vite que voilà. Mais je me suis dit, il faut que je garde l'information parce que le pape a un rôle à jouer. On verra aussi hein, comment euh, ça retombe quand j'interrogerai les cartes. Donc, ne vous laissez pas aveugler. Soyez honnête envers vous-même, authentique. Avec la justice, il y a vraiment cette notion de neutralité. Je décide. Euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas de coupe aussi, parce que vous n'allez pas dans l'émotivité, même pas dans l'émotionnel, mais dans l'émotivité. Voilà, vous allez trancher de manière neutre, de manière juste. Il euh, y a aussi le karma qui vient en jeu là. Donc on va en parler. La dissolution des frontières, manque de définition, être sous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un, être une victime. Euh, ne pas avoir une vision claire de la réalité, pouvoir considérer des amis comme des ennemis et des ennemis comme des amis, être perdu dans le brouillard, être victime de quelque chose, un tour de passe-passe, et à mon avis c'est ce que vous êtes en train de faire, être guidé, les sirènes, la voie océanique, les plages. Les annulations dues à la pluie ou à la neige, pourquoi pas, euh, les hôpitaux, les grabataires, les problèmes psychiatriques, être condamnés à tort, les prisons, les criminels, les arnaqueurs, se porter malchance, le karma, le destin, la poésie, la musique, faire preuve de bonté, la compassion, pourquoi pas se convertir à une religion et attention à ne pas se convertir à n'importe quoi parce qu'il peut y avoir des choses, euh, la secte, mais à mon avis vu le soleil qui vient d'arriver, euh, vous n'allez pas vous laisser berner. Euh, L'appel de la spiritualité, la sainteté, l'hypnose, la médiumnité, la clairaudience et à mon avis vous allez... Vous allez entendre des choses en fait. Hein. Donc écoutez bien, des fois vous allez entendre des. pas des voix, hein, on n'est pas Jeanne d'Arc, mais vous allez entendre quelque chose de, de manière claire, comme une voix qui va vous parler, qui va vous dire non, fais pas ça, ou cette personne, euh, éloigne-toi. Voilà, ça va être des, des, des déclarations très fortes. Euh, en général, c'est très court. En tout cas, moi, quand j'ai ce genre de, 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 de message, c'est très court. Voilà, c'est ça. Donc c'est une déclaration. C'est pas oui c'est ça parce que machin, ça c'est votre mental, votre cerveau, votre dialogue à vous-même. Euh, mais quand c'est de l'intuition pur jus, c'est en général très court, très fort. Vous allez peut-être même avoir des frissons parce que votre corps va sentir que c'est euh, qu'il faut écouter. Donc les vieilles âmes, la réponse à l'amour. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette carte est associée aux quatre de coupe. Donc voilà, il y a tout ça, la solitude, euh, les ennemis secrets, l'exploitation, les visions. À mon avis, vous avez ressenti tout ça au mois de novembre. Et là, vous êtes dans la conséquence logique, puisqu'on va parler de la logique avec le roi d'épée. Vous êtes dans la vision logique maintenant de ce qui vous reste à faire. Donc, la période vous demande d'avoir une vision plus élargie. Roi d'épée, Gémeaux et euh, Sagittaire avec euh, la philosophie, euh, l'expansion aussi. Hein, euh, voilà, on a la paix intérieure. Et le fait d'avoir cette vision à 360 degrés de, de vos valeurs, de, vos, de votre posture, euh, de votre conscience des choses, je pense aussi qu'il va y avoir d'autres informations qui vont arriver ce mois-ci. Donc, ça va vous conférer. Il y a, je pense, un retour à la paix intérieure parce qu'il euh, y a un soulagement à travers ces, ces deux cartes. Un soulagement. Et maintenant que j'ai l'information, je peux me positionner. Voilà. Et le roi d'épée. Il est dur. Il est dur parce que euh, c'est le magistrat en fait. Hein. C'est vraiment comme si vous alliez vous, vous alliez vous poster ou vous positionner en juge, en juré, en jury. Voilà, mais vous allez juger de la situation et en vue d'avoir votre paix intérieure. Donc c'est pour ça que c'est pas de l'égoïsme. Non, vous n'êtes pas égoïste. Si vous vous posiez la question en disant oui, mais c'est quand même égoïste, non, je vous le dis, vous avez le droit aussi à un moment donné de stop de mettre un stop, de mettre un barrage à certaines personnes ou certaines situations qui sont abusives. Et là, au vu du mois de novembre, c'est ce qui est en train de se passer. On a une jolie lumière sur la table, je trouve ça agréable. Et c'est justement le retour à soi, le retour à la lumière intérieure. Il y a la lumière qui se fait sur certaines situations, donc ça, ça vous permet de reprendre votre place comme si... Vous étiez dégonflé, euh, imaginez que vous êtes dans une robe ou un costume, et vous étiez flétri. Et là, c'est comme si vous repreniez de l'importance, pardon pour l'image, c'est ce qui me vient en tête. Et puis, vous allez vous dire, ah, c'est bon, j'ai retrouvé ma place. Voilà. Le 10 épées dans la position d'aide ou du challenge, c'est ça, dépasser la trahison. Alors, on a voilà le vagabondage dans l'univers. Pour moi, il y a des choses que vous allez comprendre. Alors pour délester aussi les épées dans le monde matériel, c'est-à-dire dans notre incarnation humaine, on a notre enveloppe charnelle. Quand on médite, on ne ressent plus aucune douleur. Euh, quand on revient à soi, ça peut revenir, mais en général, c'est un petit peu atténué par euh, le voyage qu'on vient de faire. Et là, moi, je dirais qu'il y a alors quelque chose qui vous aveugle. Peut-être que l'information, voilà, Sagittaire, Gémeaux. Euh, pourquoi j'ai euh, X-Files dans la tête La vérité est ailleurs, voilà, et vous devez aller chercher la vérité autre part. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la raison. Euh, des fois, quand on focalise sur la raison, pourquoi ça m'est arrivé Pourquoi on m'a fait ça Pourquoi pour moi euh, <coughs> Eh bien, en fait, on reste à terre. Pour se relever, alors, le pardon est difficile, hein, je l'ai abordé, je vais le réaborder après, mais j'ai vraiment cette sensation que vous devez aussi vous dire j'ai le droit de lâcher, j'ai le droit de m'échapper un petit peu, d'où la fuite. La fuite, elle peut être pas mal, parce que ça va vous enlever les, les poignards que vous avez reçus dans le dos, ont du mal à, comment dire, à cicatriser si on, on s'interroge trop sur le pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé, égale, euh, position de victime. Alors, c'est les psycho, euh, psychologues-psychiatres hein, qui en parlent. Donc, cette posture de victime, c'est rester dans le pourquoi ça m'est arrivé, j'ai pas de chance, c'est injuste, on m'a trahi, on m'a trahi, voilà. Ça, c'est une posture euh, qu'il faut changer, je dirais, dont il faut évoluer, parce que le 10 épées nous parle quand même d'une fin de cycle. Et pour aller, pour transcender, pour retrouver l'énergie, pour entrer dans ce nouveau cycle, et l'année 2022, hein, on peut juste parler d'une nouvelle année, eh bien, il faut se dire Ok, ça m'est arrivé. Donc, acceptation. Le pardon, c'est aussi accepter les choses telles qu'elles vous arrivent, et vous dire Maintenant que j'ai l'information, maintenant que ça m'est arrivé. Eh bien, je vais devoir composer avec. Et de quelles ressources je vais pouvoir euh, me, comment dire, me parer, comme une armure, comme un bouclier aussi, hein, euh, pour pouvoir faire avec. Ça, c'est comment je fais, égale, je suis dé déjà dans une solution créative. Pourquoi ça m'est arrivé, égal je me concentre sur le problème. Maintenant, laissez-vous du temps. On est humain. Cette posture, elle est extrêmement. Euh, difficile à avoir au premier abord parce qu'on ne sait même pas comment faire mais en fait vous le faites déjà si vous commencez à penser différemment roi d'épée dix épées vous commencez à penser à conscientiser les choses d'une autre manière ok ok ça m'est arrivé bon pas de chance euh, ou alors euh, comment je, je fais vous êtes déjà dans une recherche créative et votre cerveau il a beaucoup de ressources il va trouver les solutions c'est à dire que lui reçoit la consigne le cœur Peut-être, voilà, il y, y a cette sensation d'être écuré. Vous avez été écuré avec le 4 de coupe, c'est vraiment un écurement, ça écurance qui m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. Donc maintenant, comment je transforme tout ça Eh bien, j'ai l'énergie du Sagittaire. Vous pouvez demander à la nouvelle lune de, de, de poser une intention. Votre cerveau, il va dire OK, OK, j'ai reçu la consigne. Si par exemple vous êtes écuré d'un produit, vous êtes écuré de cette crème, euh, voilà, ou vous êtes écuré de euh, je ne sais pas moi des frosties ou des céréales, voilà, pas de, enfin je, je vais pas citer des marques, mais vous êtes euh, écœuré d'un truc, vous n'allez pas le racheter et vous allez dire par quoi je peux le remplacer, ok Donc au supermarché, au lieu de traîner dans le rayon euh, céréales, vous allez plutôt traîner au rayon euh, des, des, des gâteaux, des gaufres, voilà, vous allez essayer autre chose. Donc là on vous dit essayer autre chose. Peut-être que alors, il y avait l'hypnose dans le, le, la carte de, de, de la maison douce des poissons. Pardon, je bafouille un petit peu parce que, voilà, vous avez ce cristal euh, qui peut aussi vous aider. Il y a cette notion de céder de, de différemment. Peut-être que vous avez besoin de la magie des cristaux, euh, des pierres, euh, d'essayer différemment, d'essayer autre chose, euh, même des trucs alternatifs hein, qui, vous paraîtraient, euh, qui vous paraissaient hier un peu farfelus. Mais pourquoi pas pourquoi pas Écoutez, euh, la magie de, du vagabondage, c'est j'essaye, c'est un peu flou. Tiens, euh, voilà, il euh, y a même les cristaux. Alors attendez. Euh... Je vais faire pause. Alors, me voilà de retour. Donc, j'ai fait une petite recherche pour voir quel cristal, justement, était le mieux adapté à votre guidance. Et j'ai trouvé le lapis lazuli. Alors, avec ce magnifique bleu royal que les Égyptiens utilisaient beaucoup, euh, tant en médecine qu'en bijoux. Hein. On a donc en mots-clés pour cette pierre la transformation, la vérité et la foi. On vous parle euh, de chakra donc chakra gorge, chakra troisième œil et chakra coronal donc tout ce qui va être bleu du bleu clair au bleu foncé voire même un peu violet donc c'est idéal pour la méditation elle équilibre les signes Sagittaire, Vierge, Taureau, Capricorne, Bélier euh, pour la, la purification ça va être à la sauge à la fumigation donc, euh, on vous dit votre intuition, sait ce qui est bon pour vous. Il est temps de l'écouter. Et ce cristau, enfin euh, ce cristal, pardon, aide pour les insomnies, les vertiges et les maux de dos. Donc, on vous dit que c'est une pierre de transformation, elle déploie l'intuition tout en équilibrant l'ego spirituel, donc ça aide aussi au pardon. On vous dit que vous pourriez améliorer euh, la mémoire, les prises de parole en public, ça stimule la créativité spirituelle, ça vous rend plus honnête. Euh, voilà, il y a les énergies de vérité, de, droitesse, euh, de droiture pardon, et de justesse. Ouh là là, si j'arrive à faire des mix comme ça, ça va être assez intéressant, le reste de la vidéo. Donc, tout en avivant votre compassion et votre lumière. Je vous relis cette phrase. Donc, euh, pierre de vérité, il vous rend plus honnête, droit et juste, tout en avivant votre compassion et votre lumière. Enfin, il éloigne la cruauté, les liens toxiques et la perversion narcissique s'ils ont tendance à se répéter dans votre quotidien. Donc voilà, c'est une pierre vraiment. Euh, en plus, ça coûte vraiment pas cher. Hein. Euh, voilà, je l'ai payée pas plus de 10 euros celle-ci. Et euh, elle m'aide moi bon, en méditation. D'ailleurs, elle est en train de chauffer là avec l'énergie dans ma main. Elle est en train de chauffer donc euh, je vais un peu la poser. Donc on vous dit que euh, pour par exemple, vous voulez l'utiliser en méditation. Mettez-la sur votre troisième œil, donc entre les deux yeux. Moi, c'est ce que je fais en méditation. En plus, elle est assez plate, celle-ci. C'est pour ça que je l'ai choisie ou elle m'a choisie, allez savoir. Mais en tout cas, ça permet de clarifier vos pensées. Vous pouvez aussi la tenir dans votre main et euh, vous munir d'un stylo. Et d'une feuille et d'écrire. Voilà, si vous avez de la rancœur, si vous avez des choses vécues qui ont été traumatiques, écrivez. Des fois, on se, on se surprend à écrire pendant trois heures d'affilée hein, et on ne ressent pas le mal au poignet. Donc, ça, ça peut être pas mal pour vous reconnecter, musique relaxante, musique à taux vibratoire. Donc le rituel de musique à taux vibratoire, euh, ça peut être aussi intéressant. Vous, en, vous regarderez sur mon blog. Donc euh, par exemple, si vous, vous voulez traiter quelque chose en particulier, vous pouvez aller voir. On a aussi, alors une idée qui me vient, c'est de la purifier euh, avant la nouvelle lune, de la laisser se reposer. Voilà, euh, par exemple sur euh, l'améthyste, voilà, vous pouvez la poser, ça va la recharger. Et puis ensuite, euh, préparer une petite bouteille d'eau euh, avec de la musique à taux vibratoire à la nouvelle lune, purifier avec des nouvelles intentions. Vous pouvez écrire sous la bouteille et justement voilà, mettre la pierre donc, qui est purifiée au préalable dans la bouteille d'eau et peut-être arroser vos plantes ou vous doucher avec. Ça peut être une douche purificatrice justement. Qui va vous permettre de libérer certaines énergies, ou alors pourquoi pas de boire, et dans le processus de d'absorber cette eau, vous allez vraiment euh, poser l'intention, je me purifie et quand vous allez libérer cette eau, hein, donc vous euh, pareil, hein, je remercie euh, toute cette purification, je libère maintenant les énergies toxiques, etc. Enfin, je libère toutes les énergies qui ont besoin d'être libérées. Comme ça, on ne dit pas le mot toxique, faut pas. Alors euh, voilà. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, on va reprendre un petit peu les cartes, mais c'était une parenthèse qui me semble utile et nécessaire. Euh, donc, je vais passer vite sur les cartes hein, pour euh, pour, voilà, on a le pardon et l'as de bâton. On vous dit de passer à l'action. Alors, travailler le pardon, c'est tout simplement vous dire que le temps fera son œuvre. Des fois, on se dit, bah, j'espère que le karma lui tombera dessus à celle-là. Euh, c'est pas forcément. Alors, oui, le karma, c'est pour tout le monde. C'est une loi de cause à effet. Donc tout le monde sera euh, euh, traité pareil. Hein. Entre la justice, d'ailleurs, et l'arcane sans nom, croyez bien que. Euh, la mort, elle, euh, elle ne fait pas de distinction d'âge ou de race ou de religion, de genre ou de sexe ou de machin ou de ceci ou d'opinion ou, ou de couleur. Euh, voilà, si vous avez les yeux bleus ou les, les yeux marrons, on elle, elle s'en fiche. Hein, cette carte, elle passera quand ce sera l'heure de passer. Et c'est un petit peu votre état d'esprit en ce moment, c'est-à-dire, moi, je suis dans cette justesse, dans cette droiture, dans cette vérité. Je vous ai parlé d'authenticité, de, de, de neutralité, mais c'est aussi. Voilà, je dois me pardonner. Moi, j'ai l'impression que ça va être votre, un petit peu votre boulot au mois de novembre. Le pardon aux autres, on verra ça en temps et en heure. Euh, pour certains, vous y êtes déjà. Pour d'autres, ce sera... Euh, voilà, ça c'est en guidance privée que je le détermine. Hein. Donc, il y a les quatre figures euh, de pardon à soi, de pardon aux autres. Mais pardonner aux autres est plus facile quand on se pardonne à soi-même. C'est-à-dire... Qu'on Accepte cette dimension humaine, cette dimension euh, de des fois il y a des personnes qui font n'importe quoi et on se dit bah voilà. Euh, et c'est pas de la condescendance ou euh, euh, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais dire oh, là, il, il est tellement pff, voilà. Bon, moi je suis tellement plus évoluée, euh, du coup on va lui pardonner à ce petit petit être bien bas. Non, euh, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit là. Euh, c'est pas comme ça que je vous ressens en tout cas. Donc, l'as de bâton, c'est vraiment. Initier un nouveau projet, ça peut parler d'un nouveau travail, ça peut parler d'une envie qui revient. Et je vous ai parlé des tripes, envie d'explorer d'autres choses, euh, envie de vous pardonner. Alors, les cartes en haut, elles sont très pacifiques. Et les cartes en bas, elles sont, bam! Voilà, moi je pose mon bâton. Là, on a vraiment l'énergie virile entre l'épée et le bâton. Ça symbolise la tour Eiffel, hein. c'est un symbole phallique, c'est-à-dire, voilà, je veux euh, m'élever. Je veux qu'on me voit. Il y a aussi ça. Euh, Peut-être que vous êtes trop écrasé par le passé. Euh, vous êtes trop... Euh tassé sur vous-même, vous vouliez vous faire tout petit, et on ne vous parle pas de changer de personnalité, du style euh, vous rentrez dans une pièce et euh, euh, vous criez pour vous faire remarquer, vous n'allez pas devenir la castafiore du jour au lendemain genre, youhou, me voici Non, vous n'êtes pas forcément comme ça. D'ailleurs, vous êtes un des signes les plus discrets hein, quand vous êtes natif vierge. Euh, ce n'est pas qu'on ne vous entend pas, c'est que euh, vous n'avez pas ce besoin euh, comme le lion, par exemple, qui est arrivé juste avant vous, euh, de vous faire remarquer en étant euh, exubérant voilà y a, imaginons que vous êtes euh, ascendant Lion et lune en Lion peut-être que vous avez tendance à cette euh, voilà avoir euh, euh, des paillettes comme ça vouloir vous faire remarquer tout ça bon c'est euh, l'énergie du Lion hein, être créatif euh, apporter des fringues un peu euh, atypiques voilà pour euh, bah pour briller tout simplement parce que c'est dans l'énergie du Lion c'est comme ça hein, euh, mais il y, y a cette notion aussi de je me pardonne d'avoir été peut-être trop discret, peut-être je me suis fait avoir parce que je n'ai pas osé parler à ce moment-là. Euh, des fois, on s'en veut. Parce qu'on n'a pas dit un truc en temps et en heure et on se dit, mince, j'aurais dû en parler. Le 9 d'épée, ça peut être ça. Mais comment ça va être réceptionné par l'autre, comment ça va être pris ah, J'aurais dû parler vraiment. Et c'est ne pas se pardonner. C'est-à-dire, attention à la manière de vous parler. Je vous préconise encore pour celles et ceux qui n'ont pas entendu parler de ce livre-là. Euh, en voyant mes vidéos, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, donc âme, eau, vibration, leur fabuleux pouvoir, et c'est vraiment, voilà, les pensées, l'eau est polluée par des pensées négatives, des mots euh, négatifs aussi, euh, je vous montre le plus marquant, je vais faire marque page, mais je crois que c'est 38, voilà, c'est ça, tu me dégoûtes, regardez bien comment a cristallisé l'eau, on dirait un bonhomme avec un bouclier, voilà, ici, euh, espèce d'idiot, espèce d'idiot, euh, dans toutes les langues, ça fait une forme assez euh, aléatoire. Euh, je ne prononce pas ce mot, mais vous le lisez, et voilà l'eau, comment elle a réagi. Regardez euh, les mini flocons qui forment une auréole quand on a l'eau qui est exposée au mot « ange ». Donc quand on se dit « je suis trop con »,« j'aurais dû faire ci » ou « je suis trop bête » ou euh, voilà, comment euh, vos cellules qui transportent l'eau, qui transportent donc la vie, voilà ce qu'elles vont alimenter dans vos organes. Des fois, des maux de ventre, c'est tout simplement parce que vous cristallisez une énergie. Euh, euh, si vous avez mal au ventre en parlant à quelqu'un, euh, ne vous en voulez pas, c'est peut-être l'autre personne qui provoque ça en vous et votre corps est en train de vous dire S'il te plaît, te plaît, te plaît, arrête de parler avec cette personne parce qu'elle te fait plus de mal que de bien. Et regardez, alors il y a aussi autre chose voilà, amour et gratitude, un flocon de neige. Euh, donc voilà, il va expliquer le sens de ses recherches. Alors il y avait aussi très marquant euh, c'était juste derrière. Voilà, elle est là. Fais-le. Quand on se donne des ordres, euh, comment ça cristallise. Hein donc regardez bien le dessous de page, voilà, enfin le dessous de la page. Hop, hop. Donc je vous laisse découvrir la suite si ça vous intéresse, mais ça, ça a changé ma vie. Ce petit livre coûte 6,70 euros. Je n'ai aucun, euh, aucune accountance publicitaire ou financière avec ce monsieur. Euh, mais je vous le préconise. Hein, c'est le sens aussi d'une guidance, c'est de vous donner, de donner des outils. Voilà, donc la justice. C'est aussi une droiture dans le sens où vous allez euh, mieux vous parler avec l'épée. On parle de communication, vous allez être clair, droit, définitif. Voilà, c'est comme ça. Euh, J'ai la chanson de Rita Mitsuko, mais euh, potentiel. Oui, il y a vraiment cette. Il euh, y a des potentialités qui vont s'ouvrir aussi. Je pense que vous allez avoir aussi des potentiels euh, qui vont arriver dans la matière, c'est-à-dire que... Quand on se positionne, euh, on envoie un message clair. La clairvoyance, c'est déjà je sais avec le cœur, euh, mon corps a corroboré ses, 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 cette, euh, ce savoir ancestral, hein, ce savoir universel, ce savoir divin. Et puis, quand ça passe dans mon cerveau, mon cerveau reçoit la consigne et dans ce que je vais projeter comme énergie, dans la matière, ça peut arriver à moi en fonction de la décision que j'ai prise. C'est comme ça, je veux ça. Et eh bien, en fait, euh, c'est aussi dans la communication que ça va se ressentir. J'aimerais bien, égal, je n'y crois pas très, tellement. Je ne vois pas qu'elle, euh, quelle fait se pencherait son berceau pour que ça m'arrive. Je veux, égal, euh, ça va m'arriver, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il arrive, je sais que ça va m'arriver. Voilà ce que je veux. Et vous envoyez une énergie, alors même dans le professionnel, même dans le sentimental. Et qu'est-ce que tu veux, toi euh, Voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un. Euh, imaginons que la personne vous teste un petit peu, parce qu'on se teste, on s'envisage, se, on, on se dévisage, voilà. Mais vous devez, euh, je pense que c'est utile dans la vie sentimentale comme dans la vie professionnelle, au tout début, quand vous êtes célibataire ou sans emploi, de déjà vous positionner. Par exemple, en recherche d'emploi. On va vous... Euh, je parle comme les chiens. On va vous, euh, vous demander ça, vous accepteriez et tout. Euh, oui, pourquoi pas Ou alors, qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans Eh bien, parlez au, au passé composé. C'est-à-dire que vous, vous voyez déjà le faire. Moi, je veux ça. Moi, j'ai fait ça. Voilà ce que je veux. D'ailleurs, dans 5 ans, je l'ai fait. Dans 5 ans, j'ai mis en place tel processus. J'ai fait euh, ceci pour le poste. J'ai fait cela. Pareil en liaison amoureuse. Euh, si vous voulez un bébé, par exemple, dites-le. N'attendez pas que, euh, n'essayez pas de penser à la place de la personne parce que si la personne vous dit ah, « moi j'en veux pas », n'attendez pas, ne vous attendez pas à ce qu'elle change d'avis. Ça c'est un pari très risqué. C'est ce qui fait qu'on se sent trahi des fois, ce qu'on y a cru et la personne n'a pas démordu parce que c'était vraiment pas ce qu'elle voulait. mais vous vous êtes dit « bon ben bah, voilà, je vais accepter le temps de ». Non, c'est un pari risqué. Et eh ben moi j'en veux un. Hein. Donc. Euh, vous êtes déjà en dissonance, en fait. Donc, ça ne peut pas coller. Puisqu'à bout d'un moment, vous allez remettre ça sur le tapis. L'autre va pas changer d'avis. Il hein, n'y a pas de raison. Si la personne n'en veut pas, n'en veut plus. Euh, voilà. N'espérez pas la faire changer d'opinion. Ce serait vouloir la changer, elle. Et elle pourrait résister, se braquer. Voilà. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Enfin, je, je me permets ce conseil parce que tous les coachs amoureux en parlent. Euh, et puis, voilà, au niveau du travail, euh, quand vous ne voulez pas quelque chose, dites-le. Vous avez le droit aussi de ne pas accepter certaines choses. Non. Je pense que ça peut être le tour de machin. Euh, on est en travail d'équipe. Euh, bah, je passe ce relais. Voilà, vous allez le dire de manière agréable parce que dans la pensée-communication, c'est la forme pensée-communication. Hein, on, on, on décide. Donc, on va le communiquer clairement. Donc, vous allez dire bah, la prochaine fois, je, euh, je, je veux que ce soit ça. Euh, la, pour la prochaine fois, par exemple, dans les valeurs fondamentales en couple ou au travail, euh, voilà, ok, c'est important pour moi euh, qu'on se partage les tâches, voilà, donc moi je vais aller faire les courses et toi tu fais le ménage, donc ici on inverse les rôles un peu parce que la majorité d'entre vous est féminine hein, sur ma chaîne. Donc voilà, et puis euh, si par exemple vous oubliez le pain, l'autre ne va pas en faire un, un, tout un plat. Et puis si l'autre oublie d'enlever de la serpillière du, du seau d'eau, eh bien voilà, au moins vous dites il l'a fait, euh, c'est très bien. Voilà, donc euh, on inverse les rôles. Vous faites quelque chose qui vous plaît, vous changez, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Hein homme ou femme, on s'en fout. L'important, c'est le partage, la réciprocité. Et quand vous dites clairement ce que vous voulez, vous posez une limite. Quand vous dites clairement ce que vous ne voulez pas, c'est bien aussi, mais il faut pouvoir contrebalancer en disant ce que vous voulez. Et là, vous êtes dans l'équilibre. La justice, alors moi je suis de la vieille école du 8, la justice, c'est l'équilibre. Voilà, la, la justesse, le, le médian, le, le juste milieu. Voilà. Et là, ça va vous permettre d'ouvrir plein de potentiels, de vous élever aussi. Je pense que vous allez attirer. Alors, il va y avoir des, des contreparties, en fait. C'est-à-dire que quand il y a une décision, par exemple, judiciaire, j'ai l'impression que vous allez, avec la carte des potentiels, avoir une rétribution. Alors, pas que financière, mais comme s'il y avait une réparation mentale. Comme s'il y avait un. Un, un truc, euh, j'ai le Precium doloris euh, dans la tête, le prix de la douleur, et que on, vous allait, on, on allait vous faire aussi une autre proposition. C'est pour ça qu'il n'y a pas de denier, je pense que là, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un, oui, un pardon de la personne, un pardon du Voilà, de, de vous pardonner à vous, euh, mais que vous allez avoir comme euh, quelque chose qui va vous apaiser. Moi, je sens énormément d'apaisement, et en même temps, une force mentale... Euh, J'allais dire un voilà, on ne pourra plus vous enlever, on ne pourra plus, et je parle définitivement euh, sur ce coup-là, euh, pour 2022, 2023, peu importe, on s'en fout pour le reste de, de votre vie euh, consciente, en tout cas, on ne pourra plus vous enlever ce qui est en train de se passer là. Oui, je le dis, pour certaines personnes, ça va être dans, dans une moindre mesure, mais j'ai l'impression que vous en êtes là, voilà, qu'il y, euh, y a eu tout un, tout un historique. Qui maintenant vous permet d'aller de l'avant sans forcément euh, toujours décider ou toujours vous positionner. Je, non mais je dois être comme ça ou je dois faire ça. Non en fait j'ai envie de faire ça, et je le fais. Voilà, Pff, on verra bien. Allez, c'est bon quoi. Euh, voilà, il y a un peu ce lâcher. Bah voilà, la, 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 la liberté. Euh, ouais donc c'est comme ça la liberté. Hein. Voilà, ça va être comme ça maintenant. Désormais, je m'octroie le droit, je m'autorise euh, et c'est comme ça. Et il y a même un, un, plus besoin de se justifier. T'es pas content, c'est le même tarif. Voilà, parce qu'au final, c'est moi qui compte. Euh, c'est moi qui compte dans cette histoire, parce que c'est quand même moi qui vis ma vie. Hein. Donc, marche dans mes baskets et tu pourras peut-être décider. Mais comme c'est pas le cas, eh ben voilà. et bien voilà. Je sens ça en fait dans votre tirage. Alors, j'ai quand même envie d'interroger 10 d'épée, roi d'épée, as de bâton et la justice. Celle-ci. J'y passe pas plus de temps parce que c'est vraiment la synthèse de tout le tirage. Mais je m'octroie ce droit. Octroyez-vous le droit J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Mais quand je dis non, je vais contrebalancer par un oui parce que je me place dans une énergie positive. Euh... J'ai des frissons, je ne sais pas comment vous vous sentez. Dites-le moi en commentaire parce que cette guidance de novembre a été très intense, cette guidance de décembre. Dès que j'ai vu les cartes, je me suis dit, ouh, euh, voilà, ça, ça va être euh, très très intéressant. Je pense que vous allez avoir une forme de satisfaction. Ce sera intéressant d'avoir du jugement. Du neuf de coupe, parce que là, c'est la satisfaction, comme, un, comme si l'univers. Ah oui, ben je vais passer du temps sur la justice, je vous l'ai dit, mais il y a un, une rétribution karmique. Voilà, action-réaction. J'ai l'impression qu'il y a comme une justice divine, en fait. Derrière la, la justice, d'ailleurs, c'est la justice divine, ça peut être la justice des hommes, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur les deux. Ouais. Alors, le roi d'épée. Comme c'est pas votre signe astro euh, verso, Gémeaux, Balance. Ça peut être tout simplement un magistrat, mais suite à une décision, puisqu'on a la justice, ça peut être la paix intérieure. Donc vous allez, pour moi, avoir gain de cause dans, dans quel... ben voilà, l'étoile. On, on vous dit de garder espoir. Il y a le destin, on vous dit aussi que ne cherchez pas trop la cause. Des fois, certaines choses nous arrivent, même des choses, euh, euh, voilà, une injustice au boulot. Mais imaginons, vous êtes au, euh, dans une procédure euh, de prud'homme parce que vous avez été licencié euh, de manière complètement injuste. Visualisez, par exemple, une nouvelle maison. Voilà pourquoi pas. Hein euh, <laughs> Des fois on ne sait pas pourquoi les choses se passent comme ça, mais à la finale, quand on a le fin mot de l'histoire, on se dit oh, mais finalement euh, c'est pas plus mal quoi. Ok, et là avec l'étoile, on vous parle de purification, on vous parle aussi euh, du phénix. Hein on a le phénix qui s'envole, se, qui donc on a vraiment cette notion que la mort et la renaissance sont maintenant derrière vous. Euh, mais que vous devez comprendre en vous délestant de petits détails, voilà, vous allez rebriller. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle fait Elle brille. Tu fais quoi dans la vie, petite étoile Je brille. Voilà. Et même si tu ne me vois pas, parce que le soleil va un petit peu nous masquer, parce que lui, il prend toute la place. Voilà, c'est le lion. C'est ah, je suis là, j'existe. Mais on est quand même là, on soutient derrière toi. Et on brille tout le temps. L'étoile, ça peut être le, le destin, la chance. Pour moi, il y a un coup de chance, hein, je vous l'ai dit dès le départ, et je pense que s'il y a une décision judiciaire, une justice des hommes, ça va être en votre faveur, et une justice divine, parce que là-haut, on veille sur vous depuis un petit bout de temps. Ce qui vous arrive n'est pas anodin, c'était pour une bonne raison, mais j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de visualiser quelque chose de nouveau. Voilà, une nouvelle vision égale aussi. Bah, je vais me permettre maintenant de visualiser cette nouvelle maison. Peut-être que, euh, euh, voilà, je n'ai même pas à me poser la question. C'est vraiment ce que je veux. Ça peut être un moyen. Voilà, ça peut être quelque chose qui... Il euh, y, y en a beaucoup qui vont se dire, bah, j'en suis pas là, mais regardez, cavalier de bâton. On, a, on parle de mouvement, de déménagement, de retour de la puissance, du désir. C'est même peut-être de la libido pour certains couples. Euh, réciprocité. 4 d'épée, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est dans la médiumnité tout ça, mais on a vraiment regardé encore cette balance de la justice, un partage équitable, une décision. Voilà, le 9, le 9 de coupe dont je parlais, euh, et le cavalier de denier. Vous allez pouvoir envisager du long terme derrière ça, hein, parce qu'il y a des choses qui se détruisent, mais c'est pour mieux reconstruire. Et ça, vous comprenez. Des fois, on peut le vivre comme une leçon. On se dit, ben bah, voilà, c'est une bonne leçon, mais maintenant. Je vais m'octroyer des opportunités. Ça ouvre à de nouveaux potentiels, à de nouvelles opportunités. 10 épées. qu'est-ce qui s'est passé Ouh là là Alors, cavalier d'épée. Ouais, il y a vraiment eu un truc... Euh, un, un truc assez... Euh, Important qui a pu se produire, qui a déclenché beaucoup de colère. Hein. Le cavalier d'épée, c'est aussi, allez, c'est bon, je m'y mets. C'est vraiment cette cette foudre. Il enfin, euh, y a le mot foudroyant, euh, la combativité, le désir, la volonté, le courage. Là, c'est baignure avec son char. Hein. Il manque plus que le chariot et vous y êtes. Vous allez tout défoncer. Sur... J'ai l'impression qu'il y, un... y a eu des ravages et que vous êtes maintenant. Regardez le cheval, il a peur. Hein. Il dit, oui, oui, euh... oui, oui j'ai bien compris qu'on devait aller vite là, <laughs> parce que le cavalier. Il a bride euh, raccourci, là, il est à... Voilà, il est... Euh... Allez, on y va. C'est vraiment euh, comme si vous aviez paré une armure qui, le temps euh, du mois de décembre, peut-être même janvier, peut-être depuis novembre, depuis octobre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette notion de... Voilà, j'ai cette rage, parce que cette rage va être nécessaire pour défoncer, pour entrer dans le nouveau cycle et pour poser les bases du nouveau cycle. Hein. Voilà, j'ai ce potentiel en moi de dire mince, euh, plus fort, mais voilà, vous voyez l'idée. Et puis la route fortune, la chance, le destin, le diable roi de coupe, vous êtes en train de, de nettoyer beaucoup d'énergie négative. Hein. Donc vous avez besoin de cette force de caractère, euh, même si vous êtes un peu agressif, parce que le, roi, le, le, le cavalier de coupe, le, pff, le cavalier d'épée, il est là le cavalier de coupe, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Pour que les choses bien, pour que les choses se redéclenchent en amour, euh, votre douceur, votre bienveillance naturelle se redéclenche, des fois on a besoin de passer par une phase oui agressive c'est-à-dire ferme voilà j'ai besoin de, de serrer la bride euh, pour euh, raffermir certaines choses le temps de le euh, il, faut que ça, il faut que ça passe par là en fait 5 de deniers, pardon de vos blessures, pardon de vos, euh, euh, vos maladresses, des choses que vous avez laissées passer. Pour moi, vous êtes en train de pardonner le passé aussi. 5 hein. de deniers, ça parle des blessures d'âme. Donc, vous êtes en train d'initier un nouveau départ. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on a la tour et que la tour, vous êtes en train de dégommer, justement ces blessures-là. Donc vous êtes en plein nettoyage, donc soyez cool avec vous, parce que des fois en plein nettoyage, on a des réactions qu'on ne comprend pas, notamment celle du cavalier d'épée. Pourquoi je suis comme ça Cherchez pas. Vous êtes comme ça parce que vous en avez besoin. C'est un renfort, euh, un renfort mental. Votre mental a eu, a vécu quelque chose, et l'ego est ébranlé. Donc vous avez besoin de reposer des bases, des valeurs, des fondements. Hein, C'est l'ancrage. Et dans l'ancrage, il y a eu voilà, des choses euh, qui n'étaient pas bien placées. Injustice, abandon, trahison, et j'en passe, rejet, humiliation. Beaucoup, hein. Donc, euh, voilà, vous êtes en train... Neuf de coupe. Allez, je l'avais dit. Et cavalier de denier. Vous allez pouvoir envisager du long terme. Roi de coupe, la guérison est là. As d'épée, clarté d'esprit. Vous savez jongler parce que vous avez la maîtrise de votre énergie. Voilà, et le chariot, baignure... Maintenant, même si c'est flou, vous saurez avancer pour le reste de votre vie. Oh, je trouve ça génial. J'ai des frissons, je ne vous raconte pas. Je ne vous montre pas mes poils, hein, parce que bon, euh, voilà. Mais ça frissonne, hein, j'ai la chair de poule. Cavalier de denier, c'est vous. Envisagez le long terme de manière ancrée, de manière sensée, de manière euh, concrète. Voilà, avec des vœux qui se réalisent. L'étoile, le 9 de coupe. Hein. Un vœu se réalise ce mois-ci. Euh, je ne sais plus comment je vais devoir intituler cette vidéo, mais je peux vous dire que vous allez être satisfait de la visionner, celle-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère, parce que je suis là pour ça. Allez, un petit dernier message de vos guides, vos anges. La longueur fait que, voilà, hein, j'avais dit que je passerais trois quarts d'heure, cinquante minutes. Voilà, neuf de bâton. Il vous reste encore un petit peu cette prise de posture à faire. On vous dit... Alors continuez, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Je trouve ça parfait pour résumer le euh, tirage de ce mois de décembre, ce bilan de fin d'année. Prenez bien soin de vous, regardez derrière quand même l'expérience de vie. Un événement important fait irruption, pour moi il a fait irruption, parce que c'est le dos de deck, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes, voilà l'énergie de la tour. Bon, bah écoutez, tout se recoupe, je vous aime, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a galvanisé, vous a redonné de la force, de l'énergie, de la puissance. On se retrouve très vite pour les énergies de la nouvelle lune, bien sûr, euh, de la pleine lune après. Et du sentimental, donc euh, on se retrouvera très vite. Et pour le reste, voilà, les réservations du mois de décembre sont ouvertes. Allez voir, allez faire un tour sur mon blog aussi, parce que j'y ai mis plein de choses. Et j'ouvre dans la semaine la boutique où vous trouverez un outil très simple, un prix euh, à bas prix, hein, mais voilà, euh, qui va vous permettre de revenir à la base. Je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt. Bye bye